Bonjour à tous et à toutes, c'est l'épisode 666 pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur Infamous Second Son. Je mets une alarme à la fin de l'épisode. Voilà. Ok, c'est bon, ça devrait être good. Ça sera un épisode un peu plus court, un épisode de 40 minutes. Mais au moins, voilà, vous êtes prévenus dès le début, et de toute façon, vous voyez la longueur de la vidéo. Bon, bah finalement, l'enregistrement en 720p, ça marche plus que bien. La qualité est au rendez-vous, du moins, je parle du rendu vidéo, je parle pas du tout de sur YouTube. Mais du moins, en termes de ce que le Elgato fait, c'est bien. À mon avis, pour le montage, ça devrait suffire, j'espère. Sinon, encore une fois, un petit encodage. Voilà. À la rigueur, si je quitte à devoir encoder mes vidéos, autant les faire en 1080p. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, le rendu YouTube, ça sera du 720p. Donc, c'est con ce que je dis. Quitte à réencoder les vidéos derrière, autant faire directement du 720p. Étant donné que, comme ça, il n'y a pas de downscale à faire. Donc, c'est toujours mieux de garder le même format. Mais de toute façon, dans tous les cas, le downscale, c'est. Je suis con parce que c'est le Elgato qui le fait, étant donné que. Elgato, étant donné que la PS4 elle envoie en 1080p et que c'est le Elgato qui après transforme en 720, ce que je dis est débile. Faut que je me taise. Huit d'un coup, je veux pas dire, mais ça fait plaisir. Désolé, toi j'ai choisi de te tuer. Attention, il y a un lance-roquette qui va nous tirer dessus. Le problème des lance-roquettes, c'est qu'ils n'ont pas compris que sur une cible qui était un peu mouvante, ça servait à rien. Parce que la cible, eh ben, elle bouge. Et qu'une roquette, ça va pas aussi vite qu'une balle. Tiens, une petite roquette, toi là-bas. Voilà. Putain, il y en a des trophées là, ce matin. Ah mais j'ai déjà tout défoncé ce truc, je suis bête. J'ai fait l'attaque juste à côté sans faire exprès, donc forcément c'est pas dans un bon état. Enfin sans faire exprès. Avant de faire l'attaque, j'avais pas vu que c'était vraiment à côté, donc ça m'a arrangé. Parce que j'avais un peu regardé sur le radar, mais je suis tombé à 2 cm du truc quand même. Ah, il y a un copain qui vient nous voir. Excuse-moi copain. Alors. C'est moi ou c'est pas pareil qu'à d'habitude? Je sais pas. Trouver le message un poil différent. N'empêche, les tirs à la tête, ils sont pas faciles à placer, hein. Y a encore des gens qui me tirent dessus, mais je sais pas où ils sont, c'est chiant. Alors je vais libérer les gens. Je suis comme ça. Que voulez-vous? N'empêche, le truc c'est que en faisant toute la première île à fond, j'aurais fini la première île, je suis quasiment pas loin d'avoir d'être c'est quoi qu'ils disent paragon? Ouais, paragon, je sais pas ce que c'est mais je serais pas loin de l'être. Surtout si je continue les headshots parce que alors, les headshots comme ça neutralise les ennemis, ça ils aiment bien ça. Putain, lui il se rend, il a bien raison. T'as tout compris toi. Non mais pourquoi le néon? Il y a le fragment qui est plus près et ils veulent que je reine le néon. Et puis moi je fais pas gaffe. Résultat là j'ai les pouvoirs de néon mais le néon c'est pas ma came. Bon il y a de la fumée partout dans le quartier donc tant mieux mais ça reste pas ma came quand même. 40 fragments, c'est ça voit que le mec il améliore pas tout à fond. Ça normalement c'est pas de la. Ah si c'est de la fumée qui me met à fond, tant mieux. Alors, un petit tag. Chute mortelle. Faut secouer, pardon. En plus c'est bizarre parce que si tu secoues pas le mec s'arrête. Il arrête de vivre. Il se met en pause.
Donc apparemment, c'est un type qui court. D'ailleurs là, la peinture, elle marche pas. Je sais pas si vous voyez, on voit vraiment le mur derrière, ici là. Il y a un bug de texture. En fait, c'est que comme c'est en relief, la texture qu'on est en train de, entre guillemets, colorier, c'est la texture qui est derrière. Ah non, là ça marche avec celui-ci. Il court derrière quoi? Ce que je comprends pas, c'est qu'ils avaient qu'à mettre un pochoir plus grand et on aurait pu faire tout le dessin. Ah non, c'est pour ça qu'on peut pas. Ah, trop bien! Ah, c'est trop bon! C'est tellement mon humour. Moi, les trucs comme ça, j'adore, les trucs débiles. Excusez-moi. Je casse les caméras et je reçois des trophées d'ailleurs. Tout le temps, en permanence. Oh tiens, lui il est en dehors de la zone. Genre là, j'ai vraiment fini la première île. Ah oui, j'ai vraiment fini la première île. Où est-ce que cette zone? Bon, on va aller tout à gauche et puis je vais casser tout ce que je croiserai sur mon chemin. Tiens, il n'y a pas eu exactement la même rue tout à l'heure. Dans l'épisode précédent, plutôt. Parce que tout à l'heure, c'est pas le même épisode. À chaque fois, je me fais avoir. Merci d'être tombé, monsieur. N'empêche, les fragments, on en trouve plein en fait. Hein. Tu vois, quand tu détruis un centre du DUP, t'en gagnes plein. En fait, c'est marrant, au lieu de DUP en tête, j'ai BDU. Non, BDE, le BDE, le bureau des étudiants. Pourtant, je n'ai jamais mis les pieds dans un BDE. Parce que bon, hein, moi, les études, comme vous le savez peut-être, ce n'est pas ma cam. C'est le cas de plein de monde, mais il y a aussi des mondes qui aiment les études. Je connais des gens, ils ont 50 ans et ils font des études. Enfin, ils essayent du moins. Parce que bon, à 50 ans, quand tu fais des études, généralement, trouver le financement, c'est autre chose. Hein. T'es pas boursier. Mais monsieur, vous êtes salarié, pourquoi vous vous proposez pour une bourse? Il est où le truc qui tourne là? Il est là. Couché, j'ai dit. Alors. Ah, c'est monsieur le chinois. Il est là. C'était même pas besoin de bouger, quoi. La grande classe. Il y a une caméra de surveillance à faire, là. C'est vrai que ça fait pas très héros quand même, le mec qui est en pleine rue tire sur des gens. Tu dis mais what the fuck, puis après tu comprends que le méchant, le genre, c'était un méchant. Non mais elles sont trop simples les caméras, sérieusement. Et que la première, parce que je pensais... Ouais, quoi que... Elle est là. Elle était plus à droite que je pensais. Ouais, il y a que la première, j'avais aucune idée à quoi elle ressemblait la caméra, donc forcément pour la trouver c'est un peu tendu. Une fois que t'as compris que c'est des caméras, genre des petites caméras de sécurité, pas très discrètes d'ailleurs, bon bah... Le reste c'est facile quoi. Oh oh! Il est où? C'est ici qui est au milieu nulle part? Ah non, c'est celui là-bas. En fait, il est pas au milieu nulle part, il est juste pas dans la zone. Est-ce qu'il comptera dans la zone? Oh, j'ai cru que j'allais tomber, je suis accroché à quoi? Ah, il y avait un autre pylône là. Ça peut se traverser, peinard. Ouais, large. Ah, et ça compte quand même dans la zone où on était. C'est bizarre parce que c'est en dehors de la carte. Hein. Alors 29% d'ailleurs, va y avoir la cinématique qui va nous dire « Eh, vous pouvez faire ça !»
On va aller là. Alors si la cinématique pouvait éviter d'apparaître pendant que je suis en train de virevolter dans les airs et que je suis en train de me faire tirer dessus aussi, ça serait cool. Bon, allez en haut. Ah bah là voilà. En fait, elle apparaît quand t'es pas poursuivi et que t'es pas en train de voler. Ou alors juste quand t'es pas poursuivi, je suis en train de me dire. C'est peut-être juste quand t'es pas poursuivi. Je vais peut-être le répéter encore une seule fois, c'est peut-être juste quand t'es pas poursuivi. Oh, je sens que les roues du vélo vont être d'une autre couleur. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, vraiment. Ah non, les roues, on dirait que c'est les les roues, ça va être les, comment ça s'appelle, les plaques d'aération, mais elles sont carrées. Ah bah justement, ça va être ça le truc drôle, c'est que le mec il va s'acharner alors que les roues elles sont carrées. Non, ça rend bien, franchement ça rend bien, on dira ce qu'on veut mais ça rend grave bien. Il a rien rajouté par contre après. Ou s'il a rajouté des trucs, j'ai pas vu ce que c'était. Alors j'ai fini tous les graffitis de la première zone. Ah, je le voyais pas. En plus c'est con, c'est que ça a aucun sens ces trucs qui se baladent. Tu sais, ça serait des trucs qui donneraient l'alerte à l'ennemi quand il me verrait, je sais pas. Mais là ça a vraiment aucun sens quoi, c'est des drones, ils se baladent. Ils sont contents. Ils se baladent, ils sont contents. C'est comme moi, je me balade, je lance un missile, je suis content. Je sais que c'est un peu radical, mais au moins les ennemis, voilà, c'est soit ils se rendent, soit ils me laissent tranquille parce qu'ils sont par terre ou qu'ils sont morts. Donc hein, au grand mot, les grands remèdes, hein, comme on dit. Je crois qu'on dit un truc du genre, non? Comme moi, les expressions françaises, c'est pareil, c'est pas ma cam. C'est pas que c'est pas ma cam, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'y connais rien. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. Allez, allez, bon feeling encore une fois. Bon, là, on voit bien que... Dis-moi que tu veux passer ça. Ah, il est là. Bah, suicide-toi. J'ai tout dans cette zone. Ah, j'ai que 8%. Il doit encore manquer un truc à la con. Normalement, c'est 7%, ça. Bon, on verra bien. La dernière mission concentration de la ville, de la première île. Là, j'imagine trop dans son bureau. Patron, patron, j'ai l'homme le plus recherché de la ville au téléphone. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ben, on envoie l'armée. Alors, les mecs, si vous pouviez rester sur votre petit toit pendant que je vous prépare une petite surprise, vous m'en direz des nouvelles. Kawabanga! Si le type avec le bouclier de pierre pouvait revenir. Oh, ils sont deux!
J'en ai eu quoi? Que 3? Oh, serais-je donc pas dans la merde? Ils arrivent. Toi, t'es mort. En fait, les missiles, ça marche bien contre ces types-là. 3 missiles, j'ai tué les deux en 3 missiles, quoi. Ou alors, il y en a un, je l'ai pas vu. Enfin, je sais pas. Il y en a un que j'ai pas vu, hein. Moi, je visais qu'un seul mec et... Voilà, j'ai nettoyé toute une partie de la ville. Bonjour monsieur le dealer. Ça c'est bien, c'est la partie infiltration. Quand on arrive dans le dos d'un ennemi. Non mais genre. Genre! Ah merde, j'ai il voulait se rendre. C'est con, moi j'ai fait ça juste pour améliorer ma comment? Mon attaque surpuissante et non. Donc là, on va voir si tout est à 0, 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 0. Ok, bah tiens, là, on va pouvoir utiliser le système de téléportation maintenant. Par contre, ça, c'est quand même un peu moisi comme système. C'est le même que Castlevania, mais bon. Castlevania, c'était encore plus... Pas moisi, mais encore... plus ridicule dans le sens où bon, la zone où le monde ouvert Castlevania est quand même beaucoup plus petit. Dans le sens où c'est plus un Castlevania, c'était plus un monde ouvert, la Dark Souls où c'était genre des niveaux imbriqués dans d'autres niveaux. Là, c'est un vrai monde ouvert, genre une ville. Mais c'est le même principe, tu peux pas à n'importe quel moment te téléporter à un quartier que t'as déjà libéré. Il faut que tu ailles dans le quartier où t'es. Au point, donc faut que tu aies libéré ce quartier là et voilà. D'accord, j'ai compris. C'est grâce au pouvoir du néon que je vais pouvoir grimper comme ceci. Oh, bad move, man. Il me redonne la fumée direct, les mecs. This is gonna be awesome. C'est marrant, j'aurais fait pareil si j'avais eu le contrôle. Automatic turrets. So cheating. On dit que c'est la première fois qu'il les voit du jeu alors que j'en ai détruit des tonnes depuis le début. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas pourquoi il voulait pas, ça marchait pas. Bah dis donc, moi je les défonce parce que je trouve ça rigolo, mais ça sert à rien en plus. En fait maintenant, voilà, tu vois, enfin tu vois, je dis tu vois, mais je parle à plusieurs personnes. C'est le tu vois, moi c'est le, c'est une expression maintenant. J'ai chopé l'habitude de dire tu vois. Le truc, c'est que dans le premier et le deuxième, quand tu, il y avait de l'XP, donc quand tu fais une action qui était ni bien ni mauvaise, tu gagnais de l'XP. Maintenant, quand tu fais une action qui est ni bien ni mauvaise, ça sert à rien puisque tu gagnes pas d'XP. Et ça te met ni dans un chemin ni dans l'autre. Donc là je le fais pour rien en fait. C'est débile. Ok, that is a gap. Car is pretty useless right now. Unless it's a launching pad. C'est bien, il nous le rappelle parce que de tout le jeu, je m'en suis jamais servi, donc... C'est bien, t'as raison. Pas bouger. Ça me rapporte des pouvoirs. Ah, des nouveaux ennemis. Ceux-là, ils peuvent créer des boucliers. Hé, hey, j'aime le concept. Dommage que votre bouclier soit si fragile, mais j'aime le concept.
Fetch, this left a trail of bodies and bullets across this bridge. Fetch, damn girls and their short attention spans. Ah, ça sent le boss. Il me reste 18 minutes d'enregistrement. Hey, you are hell on bridges, you know that? Dead to rights a couple weeks ago and just let me walk away. You've changed since then. Il ressemble à deux gouttes d'eau, un de mes collègues. Yeah, that's new. I hear you've learned a new trick. You've expanded your arsenal. Well, I don't know where you heard that. I mean, I'm just a lowly smoke guy. We'll see. Yeah, that's doing nothing for me. What the fuck? Ok, je suis dans la merde. Ok, je suis dans la grosse merde. Ah, oh, mais je viens de réaliser, il a les mêmes yeux qu'un de mes collègues, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Ah, c'est passé à travers. Je suis sûr que je vais pouvoir me le faire sans utiliser les pouvoirs du néon. C'est l'objectif. C'est pas le but. Le but, c'est juste de survivre. Si après tu veux être impressionné, tu me donnes ton numéro, on se recroise dans un hôtel et là tu pourrais être impressionné. Hé, hey, non mais, hé hey. Bon, j'ai bientôt plus de fumée, mais c'est pas grave. Je vais quand même devoir utiliser le néon. Ça se trouve, il y a un trophée si on se le fait sans utiliser de néon. Voilà, t'es contente? Ah oui, mais ça lui fait beaucoup plus de dégâts en fait, les néons. Ah, il m'a fait un missile tête chercheur, je l'avais pas vu. Ah, ah oui, puis là ils me font réapparaître directement avec les néons. Bah attendez, là par contre, blague à part, je vais devoir améliorer mes pouvoirs de néon, c'est joli de me faire un boss avec les pouvoirs de néon. Ouais, ça j'ai pas assez de trucs si tu veux. Hop, stade amélioré, bulle prolongée. Vitesse infinie, j'ai pas. Concentration laser. Ah, voilà, j'ai amélioré mon néon, vous êtes content? Tu crois que c'est facile? C'est que... il fait mal ton copain en fait, hein. Merde, le missile qui va nulle part. Eh, hey, attends. Laisse-moi te staser. Ah non, c'est pas ton truc la stase, hein. Ça marche pas très bien. Mais le néon, c'est vraiment trop moche comme technique. Par contre, j'avais oublié que drainer ça régénérait sa vie dans celui-ci. Je me souviens que dans le 1 et le 2 ça le faisait, mais là au début du jeu ça le faisait pas. Si, ça le faisait. Oh, tu te calmes, hein. Non mais là...
Mais ils se régénèrent les néons, c'est juste que j'ai de la chance et que je vais tout le temps à des néons qui sont intacts. Ah oui, c'est que j'ai de la chance. Non mais là ça passe à travers les murs, c'est cheaté garçon. Tout ça pour avoir des missiles. Hein. Mais quand je le touche avec ses missiles, il morfe tellement que... Par contre ça, ces attaques comme ça, j'aime pas trop. Bon. Voilà qui l'a calmé. J'aurais préféré rester en fumée tout le long quand même, hein. Enough to pull the concrete daggers out of my friends, yeah. And then after that, you will never see me again. I've got a better idea. Since you'd be useless to me back in your little hovel, how about you stay here with me? I kind of like my idea better. Listen, you disappoint me. No. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut rien faire là. Ah mais c'est encore la première île ça? Ah non peut-être pas. Non non c'est la deuxième île. Qui a fait ça? S'il vous plaît. Ah, c'est ça le truc qui ralentit le temps. Lantern District, where I was headed all along. Just took the scenic route. Now I know your weakness. Ah, je l'ai neutralisé. Bon. C'était pas le but. Alors. Oh, il y a des nouveaux trucs. Il y a un truc de communiste en rouge et un coup de poing en bleu. Bon, on va aller voir le truc en bleu. Mais ça, forcément, un communiste rouge. Hein. Ils auraient pas voulu le faire exprès, ils l'auraient fait quand même. Hein. Je sais pas pourquoi je me fais tirer dessus. C'est quoi le coup de poing? Ah, ils ont tapé sur un type qui croyait être un... Un porteur en fait. Et là t'as un bouclier peut-être? Oh putain. Nettement moins chaleureux l'accueil dans cette ville. Hein. Bon déjà lui il est mort. Et le deuxième... Non, merde. Putain, mais ils esquivent vachement bien. Non, pas tomber. C'est la mort qui va t'en bas. Je veux pas les pouvoirs du néon. Ça pue le néon. En plus, j'ai dû utiliser toutes mes améliorations pour être sûr de bien vaincre le boss avec ses pouvoirs. Alors, quand je vais être parangon, je vais pas pouvoir acheter beaucoup de choses. Hein.
Ah, tu me fais chier, toi, tiens. Bon. Ah, mais il a réussi à aller tirer ses missiles quand même. J'avais pas vu ce petit détail. Il n'y a pas de fumée à proximité. Voilà comment gagner un peu de fumée. Y a des caméras ici. Mais je ne les vois pas. Elles doivent être plus basses. C'est assez glauque comme endroit. Mais c'est trop bien en fait comme pouvoir. Elle peut faire des trucs trop cool. On serait dans un film de science-fiction avec ce qu'elle a fait. Aïe, bien joué le... Oh là là, magnifique. Magnifique, très bien joué. Très bien joué. J'ai un peu tout à refaire maintenant. Je te déteste. Tu as bien joué, je te déteste. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Dans Call of Duty, c'est pareil. Quand on joue bien, on est détesté par les joueurs. On se calme, la caméra. On se calme. Je ne suis pas là. C'est un rêve. Il est où le truc au milieu là? Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Vite, il faut que je monte. Bon, ça, c'est le genre d'édifice que j'aime bien grimper aussi, hein. En fait, on dirait du béton organique, je sais pas comment dire. Dans le sens où ça grandit un peu comme des arbres extraterrestres organiques, mais pas terriens. Juste organique. Comment on ouvre ça? Bon, bah, que pour le moment, on sait pas encore le faire. Mais comme j'ai pas envie de faire une mission principale... le mec, mais la honte, quoi, il tombe dans l'eau. Bon, on va voir ce qu'il y a derrière ces brouillages. Peut-être qu'il y a un truc... Toi, tu vas pas me saouler longtemps. En fait, c'est quand... C'est quand je maîtrise des ennemis qu'il y a... Qu'il y a comment? Que je reprends de la vie. Mais d'ailleurs, quand je fais un headshot, c'est pas censé maîtriser les ennemis. C'est peut-être que pour les ennemis faibles en fait. En tout cas, cela ça marche pas. Faut que j'aille les maîtriser personnellement après. Oh putain, c'est haut ici. Ça c'est débrouillé. Et il reste plus que ça là-bas. Pardon. Si vous pouvez arrêter de me tirer dessus les deux là, ça serait bien. Excusez-moi, je ne fais que passer. Ah! Très malin. La pétrification, je ne l'ai pas vu venir. Bon, je sais que c'est plus court que ce que j'avais dit, mais je vais devoir vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des épisodes. C'est un épisode un peu court, hein, une 35 minutes à peu près, je pense. Donc voilà. Allez, salut à tous, à la prochaine. Et bon, en fait, non. Donc oui, une petite coupure. En fait, finalement, je me suis dit, 33 minutes, c'est un peu court. Pas le temps de faire ce que je voulais faire. Puis voilà, je me suis dit, c'est dommage de vous laisser à la fin d'un épisode où on découvre pas la nouvelle ville. Donc, autant reprendre où on en était. Donc, bien entendu, moi, entre-temps, je suis allé bosser. Hein. J'ai fait des Chicago. En fait, le Chicago, c'est super bon, mais s'il vous plaît, arrêtez d'en manger, on en fait trop, quoi, sans déconner. On en fait des quantités, c'est astronomique. Ça n'a aucune limite. Est-ce que vous pouvez laisser cette personne tranquille, s'il vous plaît? Sinon, je vous tape tous la gueule. Alors, on va aller... empêcher un deal. Apparemment, c'est à l'étage. Et on va aller aussi faire le tag en même temps. Putain, c'est trop chiant dans l'endroit où je suis là. Dès qu'il y a un peu de soleil, je vois plus rien moi, à l'écran. J'avais pas détruit les radars. Attendez, maintenant il y a deux trucs par zone où en fait j'étais dans un autre quartier. Ah, mais j'étais dans un autre quartier en fait avec ce truc là.
D'accord. On va en profiter pour faire la mission principale aussi. Hein. Avant de commencer à faire les... Headshot. C'est quand même mieux quand on les one-shot. Hein. Je suis là, les gars. Je suis là. Calmez-vous. Non, tu tires... Mais ils sont tous buggés. Ces pauvres garçons étaient buggés comme la mort. Et c'est la mort qui t'a assassiné, Massia. C'est la mort qui t'a consumé, Massia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es ensemble. Ensemble, la mort, c'est comme une chose impossible. Après, je sais plus. Ça, c'est bizarre le début, garçon. Je sais pas quel est ton projet. Oh, les enfants, les petits enfants. Trop bien. Je veux voir la fin. De toute façon, la fin doit y avoir du bleu dessus, il y a toujours du bleu. Oh, trop bien! Je comprenais pas aussi pourquoi les pieds ils étaient serrés, entre guillemets, je trouve pas d'autres termes. Il est haut cet immeuble ou non, c'est bon? J'arrête les messieurs. Messieurs, je vous arrête. Vous allez tomber sinon. Me saoule pas toi. Mec, t'as mis ton bouclier à côté de l'endroit où j'étais. T'as pas une très bonne notion des perspectives, garçon. Ah, faut que j'aille en bas. Ah, faut que je détruise le DUP d'à côté. Si j'avais su. Yo. Get down on it. Get down on it. Je sais pas pourquoi. J'ai entendu Hey you get down et voilà, j'ai eu get down on it dans la tête. Get down on it, c'est Earth, Wind and Fire. Je sais plus qui c'est. Mais c'est totalement bugué. Moi je monte en haut. En avion, on est dans le quartier chinois là. En même temps, Lanterne District, c'est un peu con. C'est un peu vive les préjugés quoi. Parce que tu sais, les lanternes, les chinois, le jour de l'an. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Lanterne District. Y'a personne? Sérieusement? J'ai blessé quelqu'un ou quoi? J'avais plus de... De comment ça s'appelle? J'avais du pouvoir, non, tout à l'heure? Je croyais. The fuck? Trop d'ennemis! Pars pas toi, je t'aime pas. Laisse-moi te tuer. De toute façon la grenade. Merde, y'a plein d'ennemis. Pas le chantier où j'ai défoncé les dealers en haut. Non, ça va péter. Qui est là? Qui me tire dessus?
Il y a des gens là-haut. Ah, il me redonne de la vie quand je fais ça. Tu protèges tes copains, c'est bien. Mais protège... Aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Hein. Il y a pas de magie, d'énergie dans le coin. Je sais pas pourquoi je dis magie, c'est pas la première fois. Bon, des néons, tant pis. J'aime pas le néon, mais c'est pas grave. Maintenant que je les ai améliorés quasiment à fond aussi. Oui, ça fait quand même plus de dégâts les néons que la fumée, hein. Pourquoi y a des gens qui s'envolent? What? C'est nouveau ça. C'est nouveau les mecs qui sortent à l'arrière. C'est qu'à chaque fois je les ignorais. Bon, j'avoue que les effets de course néon, c'est classe, c'est très classe. C'est ultra classe. Ouais. Maintenant, je peux faire la mission du fan. Pas du tout cheaté comme truc. Voilà. Perspective foireuse. Tiens, là-bas il y a une caméra, on va aller la récupérer. Je suis bientôt paragon. Je sais pas ce que ça veut dire paragon, mais je sais que dans Diablo il y a les niveaux paragon aussi. Je crois que c'est ça, c'est paragon. Non mais vous pouvez pas les planquer un peu plus, sérieux? Elle est là. Elle est là. Alors. De toute façon... Ça c'est mission secondaire, je les ferai. Bon si la caméra je la fais, c'est tout le temps, on n'a pas besoin de bouger à chaque fois, on est quasiment à côté à chaque fois, donc je vais faire les caméras. Genre comment tu peux ne pas deviner tout de suite que c'est par là ou par là en fait. Elle est là. Sorry, perbs. Yeah. I am just a huge fan of your work. That tag you put on the needle, face your fears, right? See, I get what you're doing. The whole give power to the powerless thing, and I want to help. Okay. Well, if you want to help, you can help me find one of the escape conduits who might be here in the Lantern District. Oh. Well, why do you want him or her? I just want to shake his or her hand. Okay. Well, I've heard the DUP is planning to take all the suspected conduits they've routed up and move them to this holding facility they built downtown. The convoy's supposed to come right through the Lantern District, cutting across the I-90 overpass. Okay. Do you happen to know if any of these people have actual powers? Oh, yeah, I totally. Absolutely. Huh. Well, thanks.
I'm sorry, man. What'd you say your name was? It's Eugene. It's a dorky name, I know. Hey, my mom got Delson off of an old Western. Et on sait que c'est une fille, on la voit au début du jeu. Alors moi j'ai vu deux filles et le mec à qui on a volé les pouvoirs de fumée s'enfuir en fait. Yo, j'avais à chaque fois que j'utilise ce pouvoir, je l'oublie complètement. Enfin, j'avais complètement oublié avant. Hey Eugene, I'm thinking the easiest thing to do here is somehow drop the road a little, you know, pull the rug out from underneath him. Well, you could just blow it up. No, I can't take the chance that'll kill the conduit I'm looking for. I think I'm just gonna cut the supports, and the trucks will make it drop a little. Bam. Okay. See, man, this is why I'm such a big fan. I wish I could be there to see it. Well, come on out and watch. You know, from a safe distance, of course. Because when we conduits go to work, you mortals better give us a wide berth. Right. Right. Well, you know what, on second thought, then, I'm gonna stay home. Mais ça va pas, oui. Les mecs, ils me tirent dessus, quoi. Genre normal, et... C'est bon, j'ai détruit les traverses. Ah non, on peut carrément les détruire, en fait. Je croyais qu'on voulait juste les affaiblir, mais là, c'est plus qu'affaiblir. J'ai été me foutre sous le pont. Yeah, still here. Just been making friends with the locals. There doesn't seem to be any traffic up top, man. Yeah, because the Duke took it over. Closed it off to citizens. So, you finished with the supports? Yep, all done. Had to head topside and get ready for a little game of chicken with the dupes. Non, je voulais récupérer de la fumée, là. Ah bah, j'ai juste augmenté mon niveau de karma, en fait. Ah non, c'est un temps de chargement, d'accord. Après, je vais être paragon... Shit. Damn it. Of course, man. Suckers. Hey, Eugene, talk to me, man. What am I looking for in this convoy? I don't know. I mean, they're moving a lot of prisoners, so maybe look for some buses? What the fuck? Oh, what's that? Helicopters? Whole pack of them. Hopefully they can see me in the fog. Tant mieux. On fait tomber du pont, c'est con, hein. Il y a bien un truc là. Ouais, il y en a. C'est bien, on les voit dans le noir. Hop. Putain, c'était haut, hein. Putain, je vois rien. Dans le doute. Hand over your prisoners and we'll call it a day. I got one. I don't know how, but I did. Voilà, je passe champion. Ah oui, carrément. Paragon, je veux dire. Parangon, pardon. Je suis encore plus un héros que vous maintenant, mes amis. Par contre, toi, si tu pouvais être maîtrisé, ça serait bien. Et c'est le moment d'utiliser les missiles à foison. Voilà, et de cheater. ils sont où les missiles là-dessus? Ah non, je les avais déjà améliorés à fond. Oh le con. Allez hop, deux fois plus. J'ai toute la fumée à fond. Sauf ce qui n'est pas gentil. Bon, j'ai pas le choix, hein. Faut que j'améliore. Ah, je peux sprinter à l'infini maintenant. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans... Bon, bah j'ai quasiment tout à fond, en fait.
Je suis pas en fait au niveau. D'habitude, il y a que 3 niveaux dans un sens ou dans l'autre. Pardon, les gars, je me casse. Là, il y en a plus. Putain, on voit rien. Là, je me fais tirer dessus, je suis mort. Hein. Personne m'a tiré dessus, tant mieux. Mais... Moi, je disais, normalement, il y a que 3 niveaux en fait par catégorie, méchant ou gentil. Là, il y en a 5. Merde, j'aurais bien aimé récupérer de l'énergie. Enfin, des missiles, du moins. Ah oui, faut pas que j'oublie ça. Mais c'est cheaté comme truc. Il est où le dernier? Il est là. C'est de me le faire au radar en fait, on le voit rien dans cette fumée. Voilà. Je suis comme ces gars. Je suis plus fort que toi. Oh oh. C'est moi où il y avait des néons sur le bus. Ouais, les épées là avec les néons. Jean, those buses are long gone. Any chance you know where they went? I don't know. Radio chatter's all over the place. I can't figure out where they're headed. Wait, wait. You're tapped into the DUP right now? How the hell did you pull that off? Just this phone app I've been tinkering with. Je veux trop ce pouvoir. Okay, got it. So what's it do? It's a signal tracker. You can listen in on the DUP's communication. But the cool thing is you can also use it to pinpoint the direction the signal's coming from. Man. I think I'm gonna have to take this thing out for a test drive. Ouais, mais avant, je vais détruire ce truc qui se balade là. Non, c'est que là, j'ai vraiment pas peur de toucher des civils en bas, moi. C'est ça, un vrai super-héros. Ce mec est tellement sûr de lui qu'il prend même pas... Il réfléchit même pas au risque, il fait, quoi. Puis si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. On s'est passé, comme d'hab. On se calme, oui. 159 mètres. No, Eugene. On a plein des fragments dans cette ville, hein, par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Genre surtout en haut des pagodes. Comment ils savent que je suis là? Je suis arrivé en mode furtif. Comme un oiseau de la mort. Y'a pas un truc pour grimper ici, s'il vous plaît? Non? Bon bah tant pis. Oh! Fumigène, les gars.
Ah, en fait, je fais que changer de district depuis tout à l'heure. Non, c'est par là qu'on fouille. Les shurikens de béton. Que de violence. Eugene, I found that first bus, but it's empty. There were three on the overpass, so that means there's still ah oui. out there. Hey there, fan of mine, you still there? One minor setback and you hang up on me. Some fan you are. Le mec n'en a rien à faire. Je suis à poil. Non, pas la ville de poil. Non, alors mec, j'ai juste rechargé mon énergie, donc laisse tomber. Voilà, je préfère. Il y a un gros gorille qui me regarde, ça me perturbe un peu. En même temps, le jour où tu arriveras à grimper vers le bas. J'aurais bien mis un truc là pour grimper en haut de cet immeuble. De 121 mètres. Moi je viens à pied, j'ai même pas peur. Ce que je comprends, c'est que là normalement il n'y a pas d'immeuble autour, on devrait avoir la réception. Ah, il est là l'objectif. Il y a un truc pour grimper dans le coin? Là. Les pauvres mecs, ils ont dû halluciner, ils sont tranquilles en train de manger leur, boire leur café. Et là, un type qui passe à travers eux, qui va dans une canalisation. Ils ont dû dire, mais faut que j'arrête de fumer. Hein. Oh, fumer, oh, oh. Jeu de mots. Genre... l'immeuble super haut qu'on voyait de loin, c'était celui-ci? Je suis déçu. Une flotte? Putain, cet immeuble-là, ils sont bons le HLM. Oh là là! Ah non, c'est plutôt celui-ci. Oh, il va être cool à grimper ça, vu ce qu'ils en ont fait. Say na 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 na. Je sais pas pourquoi, say, je
Je me suis fait un mix dans ma tête. C'est comme la chanson They Say de je sais pas quel groupe qui est dans Guitar Hero 5. Qui est la chanson la plus simple du jeu. Que même moi j'arrive à la faire en 100% en difficile. En expert, pardon. Des putains d'anges. On n'est pas des monstres, arrêtez avec vos conneries. Putain, il me saoule. Qui me tire dessus, toi? Couché, j'ai dit. Mais toi, t'as pas compris. Couché, qu'un headshot. Mec, généralement, quand on fait un bouclier, le but, c'est pas qu'on puisse te tirer dessus quand t'es derrière. Ne m'en veux pas, mais voilà. Bon, on peut discuter, les anges, maintenant? Ah non, il y en a encore. C'est bon ou... Attendez. C'est des pouvoirs étranges, les anges, là. Pourquoi ils sont plusieurs? C'est qui? C'est quoi le délire? En fait. Non, ça c'est un néon, j'en veux pas. Angels, are you kidding me right now? So either one of those escapees can make angels, or I'm going after God. And I do not like my odds in that match. Il est con. Il est con. Il est rigolo, mais il est con. Allez, on se termine le Lantern District dans cet épisode. Quoique non, en fait. C'est le temps de... Allez, si on le termine dans l'épisode, ça va faire un épisode un peu long. On va le finir dans cet épisode et après, on se dira au revoir. Ah, téléphone. So where'd you disappear to earlier, huh? Hey, maybe conduits don't have to go to the bathroom, but the rest of us do. How do you get all this information about what's going on? In the lantern district, the walls have been denied. Moi, quelque chose me dit que le fan... Well, I couldn't imagine better. Il est plus que ce qu'il nous dit qu'il est. Vite, il faut absolument que je le maîtrise, voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Arrête de tomber. Ensuite. Oui, tout à gauche, dans l'axe. En fait, des néons, il y en a partout. Hein. C'est un bon marché, le néon. Hein. Attention. J'adore le petit...
je fais une sorte de bruit de cheval quand j'éternue. Ah aussi, j'ai enfin trouvé la conversion qu'il faut faire pour mes fichiers en 1080, donc plus de problème, Jess a dû arriver d'ici là, donc c'est cool. Mais j'ai galéré, hein. J'ai galéré. Je suis juste à côté d'eux, ils remarquent rien, les pauvres. Autant les ignorer, hein. Ah, si on pouvait éviter ce genre de truc, ça aurait été cool. Maintenant, je vais devoir vous tuer. Qui a fait ça? C'est pas la chute qui fait mal. C'est l'atterrissage. Chronique, les chroniques de Riddick, Escape from Butcher Bay. Très bon jeu que je vous invite à faire, que si un jour je retourne, j'en ferai peut-être un let's play. Un de mes let's play un peu rétro, là, comme Batman, MGS2. Mais avant de faire ça, il faudrait que je le retrouve. Et j'ai encore envie de tousser. Mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Finalement, je m'aille. Le corps humain est bizarre quand même, parfois. Sérieusement ? J'ai eu le réticule dessus, quoi. Comme quoi, des fois. Hein. Ah, je me suis dit, mais j'ai rien fait encore pour. Oula. J'étais là, mais j'ai pas choisi encore. Pourquoi est-ce que le jeu il croit que j'ai choisi? Mais non. J'aime bien, c'est qu'on peut abandonner un truc aussi simple, quoi. Oh, chien. What the fuck? Je crois qu'il manque un truc, là, mec. Termine-nous ça, là, s'il te plaît, parce que là, c'est pas très beau. N'importe quoi. N'importe quoi, mon petit Delsim. J'ai un Roland de Chicago là. Bah finalement, c'est pas mal. Il est bon, sandwich. Vraiment bon. Et ce qui est marrant avec ce sandwich, c'est que j'arrive jamais à. À chaque fois que je le goûte, c'est une nouvelle découverte. Genre la première fois j'ai adoré, la deuxième fois j'ai vraiment pas aimé, la troisième fois j'ai kiffé, la quatrième fois j'ai kiffé, et aujourd'hui j'ai encore kiffé. Donc en fait, il y a que la deuxième fois où j'ai pas aimé, je sais pas pourquoi. Je m'attendais peut-être trop à autre chose. Ceci s'appelle une sucette. Ouais, c'est ça en fait, on dessine une sucette. Putain, ça rend trop bien, sérieux. A chaque fois, le résultat m'impressionne tout le temps. Donc ça, franchement... T'as beau voir les pochoirs et tout, j'arrive vraiment pas à concevoir... La suite. Oh putain, attends, si je commence déjà à être fatigué, moi ce soir je bosse 4h30, hein, enfin 4h15. Ce qui est horrible. Je sais bien qu'à McDo, le maximum, c'est 4h30 d'affilée. 5 heures théoriquement, mais j'ai jamais vu personne faire 5 heures d'affilée, donc on va dire 4h30. 4h45, j'ai déjà vu des 4h45, je crois. Mais franchement... Merde! Je voulais pas les taper. J'ai de la chance, c'est pas considéré comme un acte méchant, j'ai gardé mon super pouvoir en stock. Enfin, ma super attaque.
calmer? Ça te va? Ok, toi je vais te retrouver direct. Surtout qu'il n'y a personne dans le quartier. Ah, attendez, il y a quelqu'un à l'aider. Alors. Non. Arrêtez de taper les gens. Il est où? Il est là. La luminosité est pas terrible. Alors, c'est parti pour la mission. Où faut taper tous les méchants après avoir appelé le 911. You talking to me? Hi, you have reached the DUP helpline. Do you have a bioterrorist incident to report? You know what, lady? I think it's about time you introduced yourself. I feel like we're, you know, starting a real relationship here. I'm not telling my name to some dirty bioterrorist. You might have name control powers or something. Haha, la référence à Death Note. Trop bien. Ok. Monsieur l'hélicoptère, on se calme. Messieurs les lance-roquettes là-bas, on se calme aussi. Moi aussi je peux lancer des roquettes. Merde, j'ai lancé trop bas. Bon, je... premier objectif, l'hélicoptère. Une cible facile. Une roquette, normalement c'est réglé. Voilà, là un peu de fumée. Et les messieurs en face. Qu'ils arrivent à me toucher les bats des salauds hein. Rien de plus drôle que de faire tomber quelqu'un d'un toit. Ils sont où les autres? Il y en a deux mais je les vois pas. Ah si. Youhou. Ah trop tôt, trop tard pardon. Yo! On va rater, faut me viser aussi. Attendez, je vais quand même aller. Le. Maîtriser comme ça, il arrête de m'embêter. Oui, je sais, ça fait toujours un choc quand j'arrive. Et un nouveau quartier, hein. Bon, comment on change pour les vêtements? Allez, voilà, l'objectif, c'est de trouver comment on change ses vêtements. Mon super tag, là-bas. Si j'appuie sur le bouton du milieu, il se passe rien. Si je touche le pavé tactile, il se passe rien. Ça va être avec Cher, donc c'est avec ça. Pouvoir, cible sous surveillance, agrandir la fenêtre. Ah, on peut changer comme ça. Et c'est pas facile à voir. Hein. Allez, raté. J'aime bien celle-ci. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vraiment que le veston en fait qu'on change. Bon, bah la suite, ça sera au prochain épisode. Prochain épisode, il faudra que je m'occupe de ceci, je pense, si je veux pouvoir faire ça. En tout cas, on verra bien. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite du Let's Play et à voir mon Let's Play sur Dark Souls 2, un jeu qui est bien, qui est le meilleur de l'année 2014, même si l'année n'est pas encore finie. Allez, salut à tous!